Les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Wading Beach Challenge. On avait commencé à décorer la chambre de Trévise dans l'épisode précédent. On va terminer ça. On va terminer ça. Ouais. On va terminer ça. J'avais vraiment envie de changer de papier peint parce que... il est beau, hein, mais voilà, ça fait... Ouais, bof, quoi. Ça fait... ouais, bah, je cherche après un truc qui fait un peu plus... non, pas du tout ça. C'est pas ça du tout que je voulais. Un truc qui fait un peu plus geek. Je regarde. Bof. C'est pas terrible. Ah, voilà. Ah, ça, c'est bien. Ah, yes. Ah, ça, c'est cool. Ah, là, ça, c'est cool. Ça, c'est pas beau, donc on revend. Enfin, c'est pas beau aussi. Mais voilà quoi, c'est pas dans l'univers de Trévise quoi. Bon, on va prendre soin de lui, hein, il nous rapporte des sous, donc les gars, voilà quoi, c'est normal. Hein. Hop, on met des petits rideaux pour que ça soit bien joli, bien cosy et tout pour lui, hein, qu'il sente bien. Hein, voilà. Voilà. Et en plus, l'horloge, elle est bien assortie à son truc. On peut mettre un petit miroir dans sa chambre pour qu'il soit bien. Petit miroir. Enfin, même grand miroir, je dirais. On peut même mettre ça là, en fait. Parce que je trouve ça cool. Non. Ouais, non. Non, en fait. C'était bien ça, là. Et voilà. Non, vous aimez pas? Moi, j'aime bien. J'aime assez bien... Et on va mettre une bibliothèque aussi. On va mettre une bibliothèque. Non, on va mettre là l'horloge. On va mettre là. Et on va mettre une bibliothèque. Rangement. Il nous rapporte des sous, donc autant le gâter. Hein, celui-là, on peut le gâter. Ah, ça aurait pu être vachement cool, ça, cette déco. Elle est chouette. Mais non. On va mettre... celle-ci, pas mal. Oh, si elle est pas mal, on va laisser celle-là. Voilà. Voilà, on a gâté un peu notre Trévise. Tu as une belle chambre à toi, Trévise. Et notre pauvre Trévise est très, très fatigué. On va lui... Ouais, non. Il bosse demain? Ouais, il bosse, mais on va le faire dormir, parce que sinon, le pauvre, il va jamais s'en sortir. Mais ça ira toi de foutre le bordel comme ça? Lui, est-ce qu'il va avoir sa promotion? J'ose espérer. Enfin, oui, il vient d'avoir une promotion, mais il doit atteindre la suite en charisme. Il bosse le lendemain? Oui, il bosse le lendemain. Il a eu, ça c'est bien. Il va vite manger, prendre une portion de poisson. C'est du poisson, hein, le tilapia, je me trompe pas en me disant que c'est du poisson, je pense. Hein. Bon, au pire, vous me corrigez dans les cops. Hein. Voilà. Toi, est-ce que t'as rempli ta tâche? Ah mince, non. C'est pas grave. On va lui faire ranger ça et il va cuisiner encore un truc. Cuisiner, il va nous cuisiner quoi? Il va nous cuisiner du gratin. Voilà, il va nous cuisiner du gratin. Comme ça, il aura bien tout et nous, on aura notre truc bien prêt. Et notre... Comment tu te sens? Oh là 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 là, tu te sens pas bien, mon petit. Tu ne te sens pas bien. Hop, on va aller ici. Ne te tracasse pas. On va bien prendre soin de toi. On va bien prendre soin de toi. Ta petite femme. Va parler avec toi, hop, faire crac crac, hop, ça détend. Voilà, hop, on va les laisser faire leur cochonnerie, hein. Tu comptes prendre... Non, allez, mais range ça, ne laisse pas traîner, ça donne. C'est bon? Il a fait tout, c'est super. Il a fait tout, c'est magnifique. Je vais regarder, est-ce qu'on peut faire des choses dans la maison? Je vais regarder si on peut pas améliorer du moins cette salle de bain-ci pour avoir un WC vraiment de super tip-top qualité.
Je pense qu'on va moderniser un peu les salles de bain, parce que les salles de bain sont très chouettes, mais elles se font vraiment vieillottes et j'ai vraiment envie d'avoir un manoir vraiment beaucoup plus moderne. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, c'est pas le plus beau. On va prendre ce WC-là. Il est incassable en plus. Il est incassable. On va le prendre en noir. On va le prendre en noir, voilà. Les murs, ils sont comment? Oh non, ça fait vraiment trop vieillot. On va changer ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. On va mettre... qu'est-ce qu'on a comme truc comme ça? Ah ouais! Ça, c'est cool. Et c'est moins cher en plus, non? Non, je sais pas, non. Non, hein, j'ai une connerie sûrement. Ça, on revend. Ça, on revend. Ça, on revend. Ça, on revend. La porte. Toute vieille, on revend. On va mettre une nouvelle porte. Plus sympathique. Non, une porte toute noire. On n'a pas une porte toute noire qui est quelque chose qui fait bien moderne. Non? On va mettre une porte blanche comme ça. On va mettre ça là comme ça, c'est bien. Et on va mettre aussi... Hop. Hop. Je fais de la merde. C'est bien comme ça? Ouais, c'est bien. Voilà. Vous. On relook un petit coup le manoir parce que là, franchement, les gars, t'en as besoin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Et cette porte, elle fait tellement vieillotte. Non, ça, on va peut-être les laisser. On va peut-être les laisser. Je vais quand même les laisser pour garder le look un peu cool du manoir. J'ai envie de clarté en fait, j'ai envie de lumière dans ce manoir. Ah, il est beau ce papier peint là. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Les lampes. Mince! Je fais de la merde. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est bien, on va changer les couleurs. Mettre en rose, oui, on met tout en rose, oui. Parce que oui, c'est la baraque de Myriana maintenant, donc voilà. Elle refait la déco. Hein, on met les chaises ça, comme ça en blanc. On met... Ça fait quoi si je mets du blanc à la place? Oh oui, c'est beaucoup plus cool comme ça. Ah oui, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit relooking. Du manoir là, parce que là, ça change un petit peu, hein, ça fait du bien, vous trouvez pas? Ah oui, voilà, ah là, c'est super chou. C'est super joli. Voilà, oh oui, c'est joli comme tout, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les sushis. Voilà, moi j'aime bien, moi ça me plaît. Moi ça me plaît, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme... couleur, on peut pas mettre du clair, bon on va laisser ça foncer, c'est pas grave, et on va mettre une autre petite petite lampounette, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme truc à l'intérieur quand tu rentres? J'ai envie d'un truc un peu classe. What? Ok, le genre de truc, je vais pas dire Hitbox, mais ah ça c'est joli ça. Ah oh, ça fait classe ça les amis. Ah ça fait classe. Moi je mets ça, hein. Moi je mets le swag, hein. Moi je veux le swag. Hein. Ah ouais, ça c'est swag. Hein, vous trouvez pas? Moi j'aime bien. Hop. Les décos. Enfin, pas la déco, mais les appliques. Voilà. Et voilà. Oh moi j'aime bien. Moi je kiffe les gars. Je kiffe ma race, comme dirait l'autre. Voilà. Voilà, ici on décale un petit coup et on va aller chercher un nouvel évier plomberie. Un bel évier. Qu'est-ce qu'on a comme bel évier? On a celui-ci. T'es grand comment? Oh, tu fais mes deux de large, toi. Oh, tout ça pour toi tout seul. Tu prends bien beaucoup de place. Voilà, ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le PQ.
Voilà. Ça, et j'ai envie d'ajouter une étagère à côté pour vraiment faire de la déco. Non, décoration. On a une super belle étagère qui fonctionne très bien. On va mettre ça ici comme ça. Voilà. Voilà. Ah voilà, c'est ça que je cherchais comme étagère. Je la trouve vraiment super cette étagère. Je l'utilise dans beaucoup de maisons, mais franchement, je l'aime bien. Hop. Et on va mettre un miroir, celui-là. Ah oui, celui-là, il est super beau. Bon, on va tester maintenant. Qu'est-ce que ça rend? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que tu peux aller aux toilettes? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne! C'est nickel. Améliorer, qu'est-ce que... Oh, allez, tu vas ajouter une chasse d'eau supérieure. Ah oui, regardez. Ah oui, il est content parce que c'est bien décoré. Et bidouille-moi ça, mon petit Don. Bidouille-moi ça. Fais-moi en sorte que ça soit bien. Bien cosy et tout. Hein? Est-ce qu'il peut prendre une douche? Je teste. En fait, c'est juste pour voir si les décorations ne bloquent pas, en fait. Parce que j'ai déjà eu la blague que les décorations bloquaient littéralement l'accès aux commodités. Voilà, non, c'est bon, c'est nickel, ça fonctionne, c'est super. Donc on a fait un truc vraiment tip top. Ouais, là je suis contente, les gars. Là je suis super contente. On n'aura plus qu'à relooker la cuisine, parce que la cuisine est très très belle, mais là aussi je la trouve très vieillotte. Voilà. Est-ce qu'ils ont fini leur cochonnerie à l'étage? C'est bon, vous avez fini vos cochoncetés? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, oh oui, il se sent mieux, c'est un homme compris et comblé. Tu vas aller nous tester les nouvelles installations de la salle de bain en dessous. Et ensuite, ben, tu vas pas faire chier, tu vas nous remplir des rapports, s'il te plaît. Hein. Hop, plus de choix, web, remplir des rapports. Je veux que tu continues bien sur cette lancée que tu me rapportes du fric. Nous sommes à, tu as combien? À 4, ça c'est bien. Lui il est à combien? Il est à 2. Lui il est à... À 4 aussi. Ok. Ok, lui ça va, il dort, c'est nickel. Ouais, enfin qu'on relook... Allez les gars, on va vite en profiter, tiens, aussi, tiens, pour faire cette salle de bain là. On va vraiment la faire dans le même style que l'autre. On va la faire un peu plus grande. Enfin comme elle est plus grande, justement, plutôt on pourra mettre plus de déco. Donc ça sera bien. Hop. Ah oui, c'est vraiment relooking hein, aujourd'hui. Vous voyez, là c'est... Là on veut juste être bien, quoi. Hop, hop. Voilà. Hop, on va relooker ce truc-là. Hop. Oh, que c'est pas beau. Oh, que c'est moche. Mince, 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 mince. J'ai vendu un morceau de mur. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Hop, on va aller chercher notre porte, les portes qu'on a utilisées parce qu'elles sont chouettes. Hop. On va même faire ça correctement. Hop. Ouh, je reçois un message. Je reçois un petit message. Oui, je suis en train avec mon téléphone, je suis en train de tourner. J'ai besoin de mon téléphone pour chronométrer et tout. Ah, là aussi, il faudra qu'on fasse celle-là aussi. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va refaire. On va en profiter pour vraiment refaire toutes les salles de bain. Voilà, hop. Celle-là, c'est une des plus utilisées, je pense. Est-ce qu'on peut redégager ça? Ah, ne peut pas être supprimée. Bah écoute, tu vas être là alors. Hein. Tu vas être là. Voilà, le truc dégueulasse. C'est quoi ce truc dégueu? C'est quoi ce truc tout moche? Oh, c'est moche. Go away. Putain, 1200 balles que ça coûtait en plus! Oh, quelle horreur! Ce tapis immonde. On a ça en dessous comme sol? Ah, je préfère celui d'en dessous, hein. Sérieusement. On en profite pour relooker ça, hein, les gars. Moi, j'en profite. Ça, j'aime bien le paravent, on va le garder. Ah, c'est vraiment un petit peu de déco parce que là, c'est... Sinon, c'est... Enfin, voilà, quoi. J'ai envie de changer, là. J'ai vraiment envie de changer. Hop. Voilà.
Et je sais même ce qu'on va faire, les sushis. Je vais mettre. Ouais, plomberie. Ouais, bah oui. Ça, on va mettre ça ici. Et on va se mettre une petite surface. Regardez, on va se mettre un truc comme ça. Ah non, attendez! Regardez ce qu'on a. On a ces trucs-là qui nous servent à rien. On a ces trucs-là qui nous servent strictement à rien. Moi, ça me dérange pas avec le truc-là comme ça me plaît même. Tant pis, ça pète la fenêtre. On va dégager la fenêtre, voilà. Et décoration, on va mettre. Attendez, on va aller dans. On va retourner dans le magasin. Décoration. Pff, non, c'est un peu trop bas. Non, c'est pas très beau. Je sais pas quoi mettre, les gars. J'ai pas d'idée. Ça? Oh, non. Il y a des trucs que je me demande comment. Voilà. Ah, ça c'est bien, c'est un grand truc. Et désolé, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, là, vous voyez rien. Scandale! Rage quitte des abonnés! Voilà. Voilà. Là, c'est déjà mieux, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est déjà mieux. Ici, décoration, on va continuer. On va mettre de la déco de la Miss. On va mettre des décorations pour la Miss. Attendez. Même faire mieux, regardez. Est-ce qu'on n'a pas des. Ah, c'est ça que je cherchais. Regardez, des petites décos comme ça. Les petits pots à coton. Les petits cotons-tiges. Regardez, on a tout ça. Les brosses à dents. On peut pas mettre une autre couleur, ça d'ailleurs. On n'a pas une autre couleur pour ce truc-là, pour ce. Ah, oh, qu'est-ce que c'est mignon! Et regardez là, eh, c'est pas tip top. Eh les gars, pouce bleu, hein, moi je dis ça mérite, non? Vous pensez pas? Non? Oui, non? Bon, vous me direz dans les commentaires. Tant qu'à pousser la déco, on continue. Hop. On met les petits paquets de mouchoirs. La chambre aussi, il faudra la relooker, les gars. La chambre aussi, j'aime bien, mais c'est. Enfin, voilà quoi. Le balcon ici auquel on n'a pas du tout accès. Ces chaises alors qu'on va bah, juste. Ah bah non, si on pourrait se faire un accès au balcon en fait. Si on va se faire un accès au balcon. On va se faire un accès au balcon. On va se faire un accès au balcon si ça veut bien, s'il vous plaît. Non, je veux pas croiser d'autres objets, celui-là. Non, tu veux pas? C'est chiant. Voilà. Quand tu rentres, bah tu hop des shots, bah tu peux aller te promener sur le balcon quand t'as fini ton popo. C'est super. Hop. Et on est déjà à 18 minutes. Ça passe mais tellement vite, les gars. Enfin, du moins, moi, je vois sur mon compteur. Plomberie. Ou on va prendre la même qu'en dessous, c'est bien, non? On va prendre la même baignoire. Parce que là, en fait, ça me dérange, en fait, la porte à cet endroit-là. Juste près des toilettes. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que je peux pas le placer ici, quoi. Je comprends absolument pas pourquoi je peux pas le mettre là. On va mettre ça là, je sais pas si c'est mieux ou pas. Attendez, en fait, je vais carrément faire ça autrement. Je vais carrément inverser. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec ça, voilà. Et la baignoire. Ouais, voilà, là, ça me plaît. Non, comme ça. Comme ça! Comme ça, je dis! Et tu vas fonctionner, oui ou merde? Non, voilà, comme ça. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Ok, ça m'a remis tous les objets là ici dedans. Ok, c'est pas grave. On va remettre tout, c'est pas grave. Hop. On avait déjà tout, donc on n'a même pas à chercher après. Voilà le petit potiquet avec les brosses à dents.
Et on va, je vais continuer à chercher après la déco. Bah, petit, spécial déco aujourd'hui, les gars. Hein. Vous voyez, c'est, on se la fait tranquillou. Ma maman, je pense qu'il fallait parce que... voilà, quoi. Ça devenait, je vais pas dire n'importe quoi. Je me permettrais pas de dire ça, mais... il y avait besoin, quoi. Il y avait clairement besoin. Bon, j'espère peut-être qu'ils, j'espère qu'ils seront rentrés. Voilà. Le petit crochet, le petit sèche-cheveux. Voilà, le petit sèche-cheveux. Ça c'est le petit boubou ici, sa petite bamette, ça maintenant, les petits trucs de petits pois brosse à dents. Non ça c'est quoi ça? Petit miroir, non. 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 De toute façon je pense qu'on fera aussi... Ah, un truc pour se raser, tiens. Voilà, un truc comme il y a quand même pas mal d'hommes. Hop, ses cheveux. On met bien, on est bien là, on va être bien comme tout. Et mec, non? Ah! Attendez, je me bats. Je me bats avec les choses. Voilà, ça c'est bien là, ici. Et ils seront bien nos persos, hein, quand même. Pensez pas? Placard, salle de bain. Oh, est-ce que je peux me mettre là, toi? Oui, je peux me mettre là. Super! Oh, ça c'est nickel. Et ils seront franchement bien, nos petits persos. Je vous le dis, là, ils seront mais posés, tranquilles. Pour prendre des bains, des douches, folie. Non, bah, ça me semble bien. Ça me semble bien, les amis. C'est sur cette décoration de salle de bain que je vais vous laisser. Petite photo, là. Ouais, petite photo parce que j'aime bien. Petite photo parce que ça rend bien. Ça me plaît. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.